Allez, c'est à tout le monde, c'est Tazorik Pérassian. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 870 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien, les amis, toujours moi covidé, mais sinon, voilà, je vais bien, les amis, donc du coup, ouais, toujours sur le... Toujours un petit peu Covid, et donc du coup, enfin beaucoup d'ailleurs, hein, vu que j'enregistre tout d'un coup. Et donc, souvenez-vous du coup de l'épisode précédent, on avait continué notre mode aventure dans la carte du crépuscule, on était à 13%, plus que 87%, et souvenez-vous, on avait tout simplement terminé cette case, dans laquelle on avait obtenu notre réceptacle de cœur avec Fear, l'habit de fée et l'aliment Esqui. Et donc aujourd'hui, on va tout simplement s'attaquer à cette carte, enfin cette case-là, dans laquelle il y a quelques trucs à y faire, donc on va déjà ordonner à mettre le pot là-dessus. Voilà, vous avez débloqué une récompense de victoire et on va utiliser une paire de lumières qu'on a obtenue pour éliminer la zone. La zone du crépuscule s'est dissipée. Voilà, et comme ça, au moins, du coup, on n'a plus le crépuscule ici. Chose qui m'arrange un petit peu. Et donc, du coup, ben, on peut voir que du coup, il y a un réceptacle de cœur avec l'ANA, deux scutulador. Donc, ça veut dire qu'il faudrait y revenir une autre fois. Donc, d'ailleurs, c'est ce qu'on fera dans l'épisode prochain. Et un costume. Donc, c'est un recrutement, le cercle des frères d'armes agrandi, donc on peut voir qu'en face de nous, nous aurons du coup des Alphas et Inciro, et avec nous, on aura du coup des Capitaines d'Hyrule, Zelda et Impa. Donc écoutez, on y va, on va utiliser notre chère Lana, porte d'invocation. Ça faisait très longtemps, donc on va utiliser notre petite porte d'invocation, la porte des âmes. Alors, on peut choisir deux autres persos, donc pourquoi pas. Alors, du coup, on peut choisir deux autres persos. Pourquoi pas utiliser Volga avec le croc sanguinolent. Et ensuite on va utiliser un perso d'eau, ça serait bien. Un perso d'eau, peut-être Ruto ou... Oh non, le roi d'Hyrule. Hein. Ou Tetra plutôt. Tetra. Non, roi d'Hyrule, on ne le manipule plus autant que ça. Donc roi d'Hyrule, ça sera mieux. Voile de la Triforce. Ok, par contre, si j'oublie de m'équiper des costumes, on va pas y arriver. Oh, en veilleuse de temps. Volga. Master Quest. Normal Mère. Mère Occulte. Dans la zone... Moi, je préfère Master Quest, celui-là. Le doré. Non, peut-être pas dans le doré, ici. Mère Occulte, ça peut être bien. Et le roi d'Hyrule. Mère Occulte. Mère... non, trop éliminé. Et lui? Ah, on va laisser un mer occulte, j'aime bien. Ok. Donc écoutez, on y va. On y va. Et du coup, bah, let's go. Même si ce n'était pas la première fois pour remporter la bataille. D'accord. Ok. Alors, champ de bataille. Alors, du coup, l'armée de Zelda, des Capitaines d'Hyrule, Zelda, ok. Et l'armée d'Incero, donc on a des Alphas, évidemment. Incero, le chasseur de fées, et la liste d'efforts. Donc, il y a le réceptacle de cœur à avoir. Donc, à mon avis, il sera ici parce que c'est un fort protégé par une sphère. Donc je le, honnêtement, je vois que le moment un peu chiant à aller, donc voilà, bon bah écoutez, on y va, hein. On va pas perdre plus de temps que ça. Avis avec cette musique, alors je suis désolé, je mets un peu plus fort, hein, les amis, moi de mon côté. Alors par contre, du coup, on va redonner nos ordres à Volga de se rendre immédiatement là, le roi d'Hyrule de se rendre immédiatement, je suis con, le roi d'Hyrule de se rendre là, et Volga, il va finalement se rendre là. Et du coup, bah, c'est parti. Hop. Alors. Donc évidemment, en termes de ce que tu l'adores, si je dis pas de conneries, il est où? Mais c'est 1000 ennemis, je crois, c'est ça, ouais. Éliminer 1000 ennemis. Tac. Voilà. C'est bien, on va pouvoir enrôler un petit peu des gibbeux et tout.
Tac. La petite nourriture qui fait du bien. Alors, ordre. Lana va juste enrôler l'Égypte d'eau pendant que nous on va s'occuper du reste. Ouais, il faut avoir les couilles de ce que je fais là actuellement, je vous le dis. Ou les ovaires, ça dépend, mais. Faut... Hop. 14%. Tac. Allez. Ordre. Roi d'Hyrule. Les Alphas. Ça peut aller. Ça peut que aller. Ah bah finalement non, il est pas là le réceptacle de cœur. Alors Valga, tac tac tac, sur le west. Normalement on les a enrôlés, c'est ça? Est-ce que j'ai eu le temps de les enrôler? Oui, il y a eu les gibdos, oui, ils sont là. Ok. Voilà. Putain, là on est en train de faire un beau petit carnage. Allez. Goma s'il te plaît, merci. Bon, heureusement qu'on a cette fois-ci les gibdos avec nous. D'habitude ils sont jamais avec nous. C'est les pires ennemis à chaque fois, c'est très chiant. Merci, la petite nourriture. Ordre Lana. Voilà. Volga. Là. Ok, le roi Bubline. Je crois que c'est lui qui peut trahir si je dis pas de conneries. Ok, 800 KO. Ok, là, on va pouvoir calmer tout le monde, c'est moi qui vous le dis. Il y en a un qui a été éliminé. C'est bon, finalement, on l'a eu. Alors, ordre. Volga, s'il te plaît, viens te rendre là. Merci. Risque de chute encore. Hey! Bah, je crois que c'est notre réceptacle de cœur. Donc du coup, ça veut dire qu'il lui a resté plus que 18, si je dis pas de conneries. Ouais. Vous avez obtenu un réceptacle de cœur, votre énergie vitale est augmentée d'un cœur. Donc logiquement, il lui a resté plus que 18 réceptacles de cœur avec elle. Effectivement. Alors, ordre Lana, s'il te plaît. Non. Alors, Volga. Non, Laura Dirul, c'est Laura Dirul qui est là-haut. Ok, en fait là. Et là-bas, il y a quoi? Soldat d'invocateur. Va éliminer le soldat d'invocateur. Tac, attention. Merci. Alors là, je vais être à 1000 KO. Par contre, pareil, hein, on va pas pouvoir avoir les. Au moins 2000 KO, je vous le dis ici. On est à 1100 déjà. Oh la petite sculpture là. Ordre. Roi d'Hyrule, finalement tu vas être là. Ouh, je sais ce qu'on va faire. On va être très intelligent. Bon, le gars il va rester là juste pour récupérer les trucs.
Donc là, ce que tu l'as, maintenant il faut la chercher. Donc elle est où précisément? Est-ce qu'elle est tout au bout ou pas? Donc là, on n'attend pas. Ok, on l'entend. Ok, elle est là. C'est bon, on l'a eu. Vous avez vaincu ce que tu l'as d'art, vous avez obtenu un morceau d'illustration. Eh bah putain. Salut Hydra sur YouTube. Bon, bah, bon visionnage des vidéos que tu regardes à toi. Hein. Bon visionnage des vidéos que tu regardes. Volga, s'il te plaît, voilà. Enfin, le problème, c'est que j'ai pas le choix de tuer des ennemis parce que 1200, je trouve ça tellement peu. Faudrait on soit à moins à 1600, quoi. Le problème, c'est qu'il manque tellement d'ennemis pour être à 1600. Honnêtement, je doute comment on va y arriver. Hein. Merci pour le matériau. C'est quoi, mais même ces petits ennemis sont importants, quoi. C'est une dinguerie. En fait, tac. Allez. Apparition du body fort. Merci. Voilà, le temps qu'il aille affronter le soldat d'invocateur, nous, on va finir avec les moblins ici aussi. C'est quoi, on a du coup fatal. Enfin, de la jauge de magie, je veux dire, donc on y va. Voilà. 25. 50. C'est con, mais là, on a tellement besoin de chaos que j'ai pas le choix. Hein. Parce que 1400, je trouve ça tellement peu. Tac. Merci. Ok, encore invoquer des bokoblins. Ok, on était à 1006 déjà. Je pense que là, honnêtement, on est tranquille. Voilà, on a vaincu l'invocateur. Ça, c'est bien au moins. Le petit matériau obtenu, thank you. Bon, on peut tenter d'aller même peut-être à 2000, ça va être compliqué, hein, je vous le dis, mais... Ouais, ça va être compliqué, je pensais 2000, hein, je m'avance peut-être un peu trop, là. Je m'avance peut-être un petit peu trop. Ouais, je suis désolé du peu de commentaires, hein, comme je vous ai dit dans les précédents épisodes. Les amis, je pèse ma voix, enfin j'économise quand même si possible de la voix quand j'ai rien à dire. Parce que je vous avoue que c'est pas à gagner, quoi. Magicien sombre, Incelo. Je vous avoue que ça me fait chier pour un truc, aussi c'est pour certains let's play, ou dans lequel je dois parler ultra avec des voix comme Fire Emblem ou quoi que ce soit. C'est compliqué en fait. Hop, vas-y. Oh le bâtard. Parce que là, on le bute. Presque.
Ok. Hop. Ok. Oh, on est à combien? On est à 8-9. On va tenter d'essayer par un hasard les 2000 KO quand même. Voilà, là on est à 2000 KO. Et normalement on bute win 0. Enfin, il 0 quoi. Et voilà. Match Léon. Bon bah écoutez, on a réussi. On a réussi. Et du coup, nous avons notre costume. Normalement, je crois que c'est le... Ouais, c'est le costume, il me semble. Merci, le costume. Vous avez obtenu un costume, vous avez l'air de savoir duquel il s'agit. Comme ça, du coup, ben, on va pouvoir directement, enfin, dans les prochains épisodes, s'attaquer ben, à la fin de cette case. Dans laquelle on récupérera, du coup, la dernière scutulador de cette case, voilà. Je suis désolé, vraiment, j'ai mal à la gorge. Vous allez m'entendre aussi des fois un peu faire des trucs bizarres, mais j'ai pas le choix. Hey, hey, hey! Hey, thank you! Bon, ok, ok, ok. 5500 rubis. 2600 rubis. 2500 rubis. Avec deux quantités de les alphas. 5 robes d'Incero, un collier d'âme, 2 pièces d'armure de Dark Tint et 4 écailles de Les Alphos avec un fruit d'eau, un baie d'endurance et un lait non et l'illustration la toute nouvelle. Ok, oh on peut voir, ah c'est d'accord, c'est voir les cheveux de Midona forme humaine avec un fond du crépuscule, donc peut-être dans les terres du crépuscule. Alors à mon avis du coup je pense soit ça sera dans le palais du crépuscule soit dans les terres du crépuscule, mais vu qu'il y a, ça fait très orangé, donc j'ai l'impression que c'est des murs orange qu'on voit souvent. Donc ce sera peut-être dans les terres du crépuscule, mais en tout cas on peut voir Midona forme humaine. Et j'ai l'impression que devant même, il y a carrément les cheveux de Midona, tout, la forme avant, non, la forme primaire. Ma forme. Lana a reçu un nouveau costume, normal, crépuscule. Oh, écoutez, on va voir. Hein, on va voir ça. On va voir ça quand même avant de s'arrêter là. Lana, crépuscule. Oh, oh oui, elle est magnifique comme ça. Bah, vous savez quoi? C'est ce qu'on mettra pour le prochain. Allez, du coup... du coup, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouvera du coup, les amis, dans l'épisode numéro 871, dans lequel on ira récupérer, tout simplement, notre prochaine scutulador. Donc, écoutez, merci de m'avoir suivi pour cet épisode, du coup, numéro 870, de 870 plutôt, de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. Et on se dit ben, à l'épisode 871, dans la fois prochaine, et du coup, dans lequel on terminera, du coup, pour de bon, cette case. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde, hey! Peace! Ah oui, non, je pense qu'il y avait du crépuscule ici aussi.